Eunice a toujours été une fille très forte, indépendante. Quand elle était plus jeune, elle partait avec les garçons et conduisait les tracteurs avec eux. Moi, je lui disais d'arrêter. Alors, quand elle m'a annoncé qu'elle voulait passer son permis poids lourd pour pouvoir être routière, ça ne m'a pas vraiment surpris. Je suis fière que ma mère soit une routière. Je crois que c'est le seul boulot qui soit raisonnable à l'heure actuelle. Ce job est bien mieux que celui qu'elle faisait avant. C'est cool. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Il y a 5 ans, je travaillais de nuit. Je roulais derrière un autre poids lourd dont le chauffeur s'appelait Patrick. Et quand on avait fini notre journée de boulot, on a repris la route. Et en arrivant au niveau du pont numéro 6, je vois que le camion est sorti de la chaussée. Je suis dans un état de choc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pouvais voir le passager étalé au beau milieu de la rue et le camion retourné sur le dos avec les pneus face au ciel. Je pouvais voir qu'il y avait encore des personnes dans le camion. J'étais en état de choc. J'ai immédiatement arrêté mon camion. J'ai allumé mes feux de détresse et je suis allée voir Patrick. Je lui ai demandé si ça allait. Il m'a répondu que oui. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon contrôleur, je lui ai donné notre position au pont numéro 6 et je lui ai expliqué que Patrick a eu un accident.